Cred că oricine a întâlnit pe stradă în Occident tineri împărțind manifeste comuniste, ziare ale partidelor comuniste, de obicei cei care împart aceste ziare sunt foarte tineri. Pot înțelege idealismul lor și ideal lor de societate egalitară, dar ceea ce nu pot înțelege este ignorarea istoriei comunismului, a descendenței. Nu există marxism-leninism comunism despărțit de istoria crimelor. Aș vrea să întreb cum se produce în mintea unor oameni această ruptură între ideologie și realitate în ziua de astăzi. Si vous voulez croire au communisme, vous êtes obligé de le séparer de sa réalité. Si vous mélangez la réalité du communisme avec la croyance, c'est fini. Vous ne pouvez plus croire au communisme, à ses espérances, l'égalitarisme, etc. Puisque l'épreuve de la réalité est terrible. Donc, c'est vital pour les gens qui veulent continuer à croire au communisme de ne pas se pencher sur la réalité du communisme. D'ailleurs, il y a une nouvelle école, si je puis dire, qui est en train de monter en puissance, qui consiste à dire que ce qu'a été le communisme au XXe siècle n'est pas le communisme. D'accord. C'est autre chose. Et que le vrai communisme reste encore à faire. C'est évidemment une aberration totale. Parce qu'on peut pas nier la réalité qui a eu lieu dans des pays si différents et qui a donné les mêmes résultats partout. Donc, c'est un moyen, si vous voulez, comme on dit en général, de sauver le bébé en jetant l'eau du bain. D'accord ? On jette l'eau du bain qui est mauvaise, mais on garde le bébé. D'accord ? Bon, c'est un artifice, évidemment. Maintenant, je ne pense pas que ça pourra durer à long terme, parce que plus on avancera dans le temps, plus l'histoire de ce qui s'est passé sera connue, même si pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Et donc cette histoire, c'est-à-dire cette réalité de ce qu'a été le communisme, finira par submerger, j'en suis intimement convaincu, l'idéologie. Care până la urmă va învinge această ideologie. Discutați în cartea aceasta un filozof francez, Alain Badiou, care vorbește de comunism ca fiind o idee platonică. Il a pas tort. Il a pas tort dans le sens où et même je dirais qu'il a raison parce que si on en vérité il y a c'est l'ancêtre du communisme est Platon évidemment pas dans le sens marxiste et léniniste mais dans le sens d'utopie. Qu'est-ce que voulait Platon? Il voulait mettre en place une république, la république de Platon, dans laquelle tous les gens étaient égaux, n'est-ce pas, et qui était dirigée par une espèce d'élite éclairée. Qu'est-ce qu'a fait le communisme-léninisme, le marxisme-léninisme, sous l'impulsion de Lénine, c'est d'être dirigé par un groupe d'intellectuels révolutionnaires qui ont dirigé le peuple vers le bonheur. C'était ça. Et c'est une des raisons principales, d'ailleurs, pourquoi les intellectuels ont adhéré au communisme. Parce que pour la première fois, si je puis dire, il était dit clairement qu'il y avait un rôle à jouer pour les intellectuels de guider le peuple. Bien sûr, les intellectuels révolutionnaires, pas tous les intellectuels. Mais ça, c'est Lénine qui l'a introduit avec, dans son livre Que faire, dans lequel il dit qu'il faut construire un parti révolutionnaire qui va faire la révolution au nom du prolétariat et qui va instaurer la dictature du prolétariat au nom du prolétariat. Donc, ce petit groupe de révolutionnaires, du parti révolutionnaire, vont devenir des dirigeants au nom du prolétariat. D'accord ? C'est le rêve absolu des intellectuels. D'être les dirigeants parce qu'ils sont plus intelligents, plus éclairés, ils vont montrer la voie du peuple. Donc, de fait, cette idée existe déjà dans Platon, évidemment pas sous la forme parti révolutionnaire, j'entends bien, mais du guide du peuple par une élite éclairée,
Donc il y a effectivement une liaison entre le communisme et Platon. Acest al doilea volum al istoriei mondiale a comunismului întărește această percepție pe care se regăsește și în primul volum că a existat un fel de universalitate a modelului comunist. Toate regimurile comuniste au avut puncte comune și o evoluție destul de asemănătoare. Unul dintre aceste puncte comune, cel discutat cel mai mult în această carte, este teroarea. Cum de apare teroarea ca în toate regimurile comuniste? N-a existat niciun regim comunist lipsit de această etapă a terorii. La terreur est une nécessité absolue pour le communisme tel qu'il a été conçu par Lénine, justement. J'en reviens à ce que je disais. Si vous partez du principe que la révolution doit être faite par un parti de révolutionnaires professionnels, donc par un groupe, en général des intellectuels petits bourgeois, comme je les appelle, lorsqu'ils vont prendre le pouvoir, de quelque manière que ce soit, coup d'État en 17, guerre nationale en Chine par exemple, guerre anticoloniale en Vietnam par exemple, bon, différent, mais toujours est-il, c'est toujours un groupe, un petit groupe qui prend le pouvoir, avec son idéologie, d'accord ? Et l'idéologie, il est question d'impliquer cette idéologie à la réalité du pays. Il n'est pas question d'adopter l'idéologie à la réalité du pays, il est question d'adopter la réalité à l'idéologie. Donc, c'est le sens inverse. C'est la réalité qui doit s'adopter, adapter à l'idéologie. Et l'idéologie est là, le chemin à suivre, donc il faut faire rentrer la réalité dans ce chemin. D'accord. Comme tout le monde ne rentre pas dans ce chemin, on écarte tous ceux qui ne rentrent pas dans le chemin. Et on mène, et ça, c'est pour ça que ça a été absolument partout les mêmes situations, les États, les partis États, qui donc étaient au pouvoir dans tous les régimes communistes, ont mené une guerre civile permanente contre leur propre peuple. Et ça, c'est une exception absolue dans l'histoire. Il n'y a pas en histoire d'État, si je puis dire, qui a à ce point-là, mener une guerre civile contre leur propre peuple. Et cette guerre civile est une nécessité si on veut faire plier la réalité à l'idéologie. Et c'est ce mode de fonctionnement dû à Lénine, d'ailleurs, je dois dire, c'est lui qui est le principal responsable. C'est ce mode de fonctionnement qui explique qu'il y a eu tant de morts sous le communisme. Qu'au existat atâția morți sub comunism. Subtitlul volumului acesta este Când moare corul. Quand le cœur se meurt. C'est une magnifique phrase. C'est une trimitere către tragédia grecească. C'est un renvoi vers la tragédie grecque. Mais c'est évidemment un renvoi vers la tragédie grecque, bien sûr. Je vous avais absolument raison, mais c'est surtout une phrase de Joseph Brodsky. Joseph Brodsky, qui est un poète russe, qui a eu le prix Nobel de littérature, et dans son discours de Nobel, quand il a reçu le prix Nobel, il a dit cette phrase absolument magnifique, que je trouve excessivement émouvante, personnellement. Il dit la véritable tragédie. Ce n'est pas quand le héros meurt, c'est quand le cœur meurt. Pas le cœur là, pas le cœur, le cœur antique. Et c'est magnifique. Parce que, évidemment, c'est évidemment ça la vraie tragédie. Donc c'est pour ça que quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais quel titre merveilleux, quand meurt le cœur. Et en vérité, c'est ce qui s'est passé avec le communisme, c'est le peuple qui meurt. Faceți o distinție între teroarea în masă și teroarea selectivă. Puteți să o explicați? Oui, parce que une des raisons pour lesquelles le communisme a été aussi criminel que ça, à part ce que j'ai dit, c'est que, et ça c'est la responsabilité, alors là on vient à la responsabilité de Marx. Lui Marx, revenim la ea. Marx a édicté une loi
a dat o lege criminogène. O lege criminală. Il savait pas qu'elle était qu'elle allait être criminogène, mais de fait c'est à cause de cette loi que ça donnait tant de morts. Il a dit la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Lupta de clase este motorul istoriei. La lutte des classes est le moteur de l'histoire. La deuxième partie de la phrase est le plus importante. Le moteur de l'histoire. Ça veut dire que si vous voulez avancer dans l'histoire, vous faites la lutte des classes. Donc les dirigeants révolutionnaires, les petits intellectuels bourgeois dont j'ai parlé, qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé d'avancer vers le socialisme pour aller au communisme, ils se sont dit il faut qu'on fasse de la lutte des classes. De façon à avancer dans l'histoire, le moteur de l'histoire. Donc, en même temps qu'on fait une terreur de masse, pour faire rentrer justement le peuple, la réalité dans l'idéologie, comme je disais tout à l'heure, on va choisir ses ennemis. O să se alegi inamici. Pour alimenter de ce? Le moteur de l'histoire. Donc un jour, ça sera les paysans, une autre fois, ça sera le clergé, les intellectuels, les ouvriers, les membres du parti aussi, des membres du parti aussi, deviennent des ennemis de classe. Donc, c'est une particularité incroyable du système communiste avec la guerre civile permanente, qui alimente la guerre civile permanente, c'est que les classes à éliminer sont à géométrie variable selon les intérêts du parti. Donc un jour vous n'êtes pas l'ennemi, mais le lendemain vous pouvez devenir l'ennemi. Donc c'est une terreur terrible, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez devenir l'ennemi. Parce que c'est le parti qui décide que vous pouvez devenir l'ennemi, vous comprenez? Vous n'êtes pas un ennemi désigné d'office, vous êtes un ennemi potentiel. Care este definit din start. C'est une grande différence avec le nazisme. Potentiel. E o mare diferență față de nazism, un alt sistem totalitar. Du 20e siècle. C'est une différence de pratique. Dar este o diferență de dans le nazisme, l'ennemi est désigné. Les peuples inférieurs, les sous-peuples, en particulier les juifs, d'accord ? Une fois que vous avez décidé qu'il y avait le peuple élu, les peuples allemands et le peuple, les sous-peuples, la classification est claire. Bon, moi, vous savez à quoi vous attendre. Parce que si vous n'êtes pas appartenu au peuple élu, vous appartenez au sous-peuple, donc on va vous liquider. Mais sous le communisme, on ne sait pas qu'est-ce que le parti va choisir comme ennemi de classe. Donc ça devient infernal, donc ça devient à la fois une terreur générale, parce que tout le monde peut passer dans le trou, goulag ou la déportation, donc une terreur choisie, donc à la fois sélective, selon les intérêts du parti, à un certain moment. En fonction des intérêts du parti, à un moment donné. Existe une instrumentalizare a indivizilor umani. Totdeauna sunt considerați un fel de lucruri. Se fac experimente de tot felul pe ființele umane. Se fac, li se dau halucinogene, plante sălbatice care să înlocuiască plantele hrănitoare. Sunt supuși la tot felul de procese de înfometare. Într-un fel e cumva chiar chestia asta se petrece într-o manieră mult mai largă decât în nazism. Cum își justificau ei această instrumentalizare a ființei umane? De l'être humain, la transformation de l'être humain dans un objet ou un instrument. Dans les exemples que vous avez donnés, vous avez oublié une chose qui est importante, qui existe encore aujourd'hui à l'heure où l'on parle, c'est les trafics d'organes, par exemple, en Chine. Parce qu'en Chine, ils ont entre autres comme capacité de choisir des condamnés à mort en fonction de leurs organes qui peuvent être utiles pour des gens qui ont besoin d'organes. Donc, avant qu'on condamne la personne, on fait des tests biologiques pour savoir si il sera compatible avec le receveur de son organe. Ça existe, je suis désolé, les Chinois le nient, mais on a des preuves là-dessus, donc ça fait partie des expérimentations. Pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est assez simple à comprendre dans une certaine mesure. Si vous estimez que l'ennemi de classe est votre ennemi, il n'a pas le droit de vivre. Donc vous avez sur lui, et c'est pour ça que vous avez sur lui un droit de vie et de mort. Puisque de toute façon, il est votre ennemi, et votre ennemi radical. Vous ne pouvez pas
votre ennemi à vous, mais l'ennemi de l'humanité. Il est considéré, puisque votre programme, c'est de conduire l'humanité vers le bonheur. Donc, si vous êtes l'ennemi de ce programme, vous êtes l'ennemi de l'humanité. Donc, le communisme réussit à faire que son ennemi soit un ennemi de l'humanité, donc il n'a pas à être situé parmi les humains. Ceva care nu va mai fi situat printre ființele umane. Dans les systèmes, dans le système répressif, în sistemul répressif, oricare a fost el, în toate țările comuniste, lorsqu'on était arrêté, atunci când erai arestat, soit une déportation, soit le goulag, soit être liquidé directement, dans la période tout de suite après l'arrestation, souvent, on met le prisonnier, futur condamné, dans des conditions telles qu'il devient un animal, qu'il devient effaré. Parce que d'abord, il ne sait pas pourquoi il a été arrêté, on laisse dans des conditions d'isolement, etc. etc. On réduit en lui ce qu'il y a d'humain. Se reducea în el tot cette animalisation de l'ennemi de classe est un processus double. D'abord, ça... ça, disons, ça fait baisser les défenses du condamné, mais surtout, et c'est ça qui est plus important, ça donne bonne conscience au bourreau. Parce que si celui qui va condamner perd son caractère humain, ça devient moins grave de le tuer, vous comprenez? De façon de conscience. S'il est considéré comme un animal et si on le traite comme un animal, îl consider pe inamic, si vous voulez, un animal, on peut liquider plus facilement si c'est un être humain. Ceux qui ont poussé ce raisonnement au maximum, c'est le dernier pays communiste qui est le pur communiste qui a été mis en place, c'est les Khmer Rouges, au Cambodge. Les gens qui étaient enfermés dans une prison qui s'appelait S21, il n'y a eu au total que 7 survivants. 7 survivants sur 12.500 prisonniers. 7 oameni din 12.000 de prisonniers. Dans les archives de cette prison spéciale qui était une prison d'extermination, donc, tout le monde est mort sauf 7. De exterminare pentru că toți au murit în afara celor 7. On a trouvé ces documents. S-au găsit documentele. Le prisonnier qui allait forcément mourir, il n'y avait pas de nom, bien sûr, il n'avait même pas un numéro. Nu mai avea nici număr. Ils étaient tous appelés de la même façon, le document. Le document, c'était le nom. Donc, il fallait faire parler le document pour le torturer. Et quand il s'agit de le tuer, il fallait détruire le document. Mais c'est écrit dans les... Il faut détruire le document. Faire parler le document. Donc, c'est un moyen formidable pour le bourreau de se dédouaner de son côté inhumain, puisque finalement, il traite des documents. Et je prends un document, je le déchire. Et voilà, c'est terminé. De un om, e vorba de un document, rup documentul și gata, s-a terminat și cu viața celui în cauză. Aveți un capitol dedicat locului central al fecalelor în central de rezidu umen dans un universul comunist. L'univers comunist e un spus de scatologie. De ce era atât de important această temă astfel încât să-i dați un capitol? En vérité, je n'avais pas l'idée de faire ça. Ce chapitre s'appelle Un monde de merde. Acest capitol se numește O lume de rahat. D'accord. Et bien c'est en travaillant sur tout, justement, ce qui n'avait jamais été fait d'ailleurs, en vérité, parce que ce livre est le plus unique des trois de la trilogie. Spéciale, este unică în cadrul parce que je peux prendre des exemples où je veux et pour faire ma démonstration, pour montrer justement ce que vous avez dit, l'unité du système. Donc à l'origine, j'avais pas du tout l'idée de faire ce chapitre. Et puis je me suis aperçu en travaillant sur le sujet que finalement ce qui revenait souvent, c'était la merde, l'excrément. Donc pour justement animaliser
tocmai pentru a animaliza ființa umană. Soit vous l'empêchez de faire ses besoins, ori îl împiedici să-și facă nevoile, soit vous lui faites manger ses besoins, sau îl faci să mănânce excrementele, alt mijloc. Et ça, ça a été un moyen de torture qui a été utilisé partout. Si vous empêchez un homme d'aller aux toilettes pendant plusieurs jours, vous allez voir ce qui arrive. Il vous avoue tout ce que vous voulez. Piedici pe un om să se ducă la toaletă, să folosească toaleta câteva zile, până la urmă o să mărturisească tot ce vreți. Și dacă sunteți într-o celulă, à Cuba, entre autres. Si vous êtes dans une cellule où il y a 50 prisonniers dans une cellule qui doit en contenir 10, o celulă care ar conține în mod normal 10 oameni și nu există toaletă, vous imaginez ce qui se passe. Imaginați-vă ce se întâmplă. Imaginez quel univers ils vivent. În ce univers trăiesc acești oameni. C'est quelque chose d'inconcevable pour un être normal, je veux dire, comme nous. Ben, c'est un moyen incroyable. Donc, l'excrément est un moyen incroyable d'animaliser, d'humilier les hommes. Et vous en êtes un... La Roumanie en était un exemple, excusez-moi. A fost un exemplu, à Pitești, dans les années 60, on obligeait les prisonniers à manger leur excrément. Ce que les Khmer rouges ont fait aussi. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils n'avaient aucune connaissance de ça. Donc c'est bien la preuve que c'est une idée maligne, méchante, d'humiliation, qui était propre au système, quelque part. D'ailleurs, je ne dirais pas propre au système, propre à l'homme, mais que le système permettait d'instrumentaliser, de développer. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce chapitre, qui s'appelle Un monde de merde, parce que je pensais que c'était très important et c'était très méconnu. Pentru că am simțit că este un subiect foarte important și necunoscut. În același timp, întreaga societate era o victimă. Era alimentată ura și frica. Întreaga societate trăia, nu doar cei din lagăre, nu doar cei închiși, nu doar cei chinuiți, cei duși la muncă silnică. Acestea erau instrumentele cu care regimul acționa la nivelul, cum să spun, domestic, familial, în spațiu cotidian al fiecăruia. Regimul era o prezență permanentă. Erau radiourile care mergeau tot timpul. Cum ați interpreta nevoia aceasta de a fi tot timpul prezent, tot timpul de a forța pe individ să ia tot timpul în seamă regimul, să trăiască tot timpul cu regimul în minte și în sentimente. Tout le temps avec le régime présent. Alors, vous avez raison, et vous savez que les soviétiques disaient qu'il y avait la petite zone et la grande zone. La petite zone, c'était les camps, et la grande zone, c'était ce qui était hors des camps. Et ils disaient, on est plus libre dans la petite zone que dans la grande zone. Parce que dans la petite zone, on risquait plus rien, puisqu'on était condamné, dans les camps, c'était terminé. Tandis que dans la grande zone, on pouvait être condamné tout le temps. Donc la terreur était plus forte, quelque part. C'était incroyable comme idée. La terreur était plus forte dans la grande zone que dans la petite zone. Sur la petite zone, de toute façon, on vivait vraiment la terreur. Mais est-ce que dans la petite zone, dans la grande zone, elle pouvait tomber dessus à tout moment. Maintenant, cet encadrement total, cette surveillance absolue, dont le régime le plus réussi à ce niveau-là a peut-être été l'Allemagne de l'Est, parce qu'il y avait un nombre considérable d'informateurs de la Stasi qui surveillaient absolument tout. Donc, pas forcément la terreur d'ailleurs, la surveillance. Simplement savoir qu'il y a la surveillance. C'est bien la preuve. C'est une preuve suffisante. On n'a pas besoin d'autre preuve que ça pour prouver que le communisme, finalement, est un système imposé. Puisqu'il est obligé d'utiliser la police secrète, police politique, la propagande permanente, l'encadrement permanent, la surveillance permanente, etc. C'est bien la preuve que... Le peuple ne suit pas. En vérité, ces régimes communistes qui se présentaient des républiques démocratiques populaires avaient une peur bleue du peuple.
de fapt, avea o spaimă teribilă de popor. Vous ne verrez jamais un dirigeant communiste, à part Mao, mais c'est autre chose. Vous ne verrez jamais un dirigeant communiste faire un bain de foule, comme vous pouvez voir, un dirigeant démocratique, aller serrer des mains comme ça, sauf très bien organisé, mais en général, ils se mettaient très très loin du peuple. Ils avaient très peur du peuple. Ils vivaient isolés dans des dachas totalement protégées. Le era frică de popor și atunci donc, se îndepărtau de el cette și surveillance généralisée du peuple deci, est la preuve suffisante, nécessaire et suffisante, comme on dit, en mathématiques, cum se spune în matematică, pour montrer que le communisme était un système imposé à l'ensemble de la population et une guerre qui était menée contre la population. Și că a fost un război dus împotriva poporului. Lenin n-a, spuneți, n-a muncit niciodată. N-a jamais travaillé. Există o mulțime de fapt de oameni investiți cu responsabilități în administrarea treburilor care țin de guvernare, care erau total incompetenți. De la guvernanță, des incompetents absolus. Aveți un capitol în carte despre problema țărănimii, care comuniștii au eșuat total în a putea administra această problemă a țărănimii. Atunci, probabil că cele mai vizibile teroare, crime au fost în rândurile țărănimii. Au folosit foamea intenționat pentru a face, cum spuneați înainte, a intra realitatea în cadrele ideologiei pentru la realitate dans le cadre dans les limites de l'idéologie. Până la urmă au reușit să distrugă țăranul și legătura lui cu pământul. Le paysan et la liaison du paysan avec la terre. Non. Non. D'une façon générale, non. Alors, vous avez raison, c'est une chose qu'il faut absolument souligner. C'est que les plus grandes victimes du communisme, ce sont les paysans. Plus de la moitié des morts du communisme sont des paysans. Largement plus de la moitié. Le paysan est la grande victime du communisme. Et je fais une parenthèse, je dirais que c'est parce que c'est cette catégorie sociale qui est la grande victime du communisme qui fait que ces victimes ont aujourd'hui encore du mal à être reconnues. Je m'explique. Parce qu'il existe dans tout être humain, chez vous, chez moi, chez tous les gens qui nous écoutent, l'idée que le paysan, c'est un peu le côté arriéré, c'est pas le progrès, il est attaché à sa terre, il aime l'ancien monde, etc. Il y a un petit côté très péjoratif quand on pense aux paysans. Donc après tout, qu'on liquide, surtout si on veut amener l'humanité vers le progrès, vers ce qui est considéré comme le progrès, c'est une victime logique, je dirais. Donc on n'a pas la reconnaissance. Deci nu există recunoașterea acestor victime. La victime paysanne est particulièrement oubliée dans notre mémoire aujourd'hui encore. Este total uitată în memoria noastră de astăzi. Maintenant, et c'est une leçon extraordinaire. Este o lecție extraordinară. C'est qu'on s'aperçoit que le paysan aceea, când ne dăm seama că ne peut être que paysan, c'est-à-dire ne fait son travail que s'il est attaché à sa terre. Face munca decât dacă este legat de pământul său. Sa terre, c'est son univers. Pământul său este universul său. Si vous le séparez de cet univers, separați de acest univers, il ne travaillera pas. El nu va mai munci. Donc toutes les tentatives communistes, quelles qu'elles soient, dans quelques pays qui ont été menées, les tentatives de collectivisation ont toujours été un échec. Au fost întotdeauna un eșec. Parce que tout simplement, le paysan n'a pas envie de travailler une terre qui ne lui appartient. Nu vrea să lucreze un pământ care nu îi aparține. Donc, les grandes fermes collectives ont bien sûr produit, mais beaucoup moins que si on avait laissé les paysans cultiver leur terre librement. Donc, malgré la terreur, malgré les famines, malgré les déportations massives, tout ce qu'ont vécu les campagnes communistes dans l'ensemble des pays communistes, malgré tout ça,
le communiste, le paysan, țară, quand il n'est pas mort, il a résisté dans une certaine mesure, puisqu'il n'a pas accepté de travailler, ou en tout cas faire semblant de travailler, comme on disait, pour le régime. Donc, ils sont à la fois, en vérité, les plus grandes victimes et les plus grands résistants, quelque part. Ai comunismului, donc, de altă parte. Moi, je dis chapeau bas. Deci spun, îmi scot pălăria în fața lor pentru asta. E interesant de amintit ce spuneți de... în timpul foametei, ajutoarele și salvarea vieților omenești a venit din partea unor organizații americane, care și în Rusia avem și mărturia unui jandarm, Gabriel Vatamaniuc, care, care spune că a fost ce nu Uniunea Sovietică ne-a ajutat să depășim foamea din anii 50, ci vapoarele care aveau nume americane. Da, bineînțeles. D'ailleurs, je vous dire, de altfel. Souvent, on pose la question pourquoi le communisme s'est effondré. De ce a colapsat comunismul? La vraie question, c'est pas la, c'est pas la bonne question. Aceasta, cea mai bună la bonne question, c'est pourquoi le communisme a duré si longtemps. Este de ce a durat comunismul atât de mult. Ça, c'est la bonne question. Aceasta parce que compte tenu de l'échec social, économique, culturel, écologique, cultural, quel que soit le côté que vous prenez, vous êtes forcément en échec. Il n'y a aucune réussite communiste. Ça n'existe pas la réussite. Nu există nicio reușită. Parler de réussite communiste, c'est un oxymore, comme vous voyez. C'est-à-dire deux mots qui se s'opposent. Sunt două concepte care se bat cap în cap. En vérité, ces systèmes ont toujours été vécus au crochet des Occidentaux. Au fost trăite soit par des investissements, soit par des machines qu'on achetait, ou qu'on volait, quelquefois, ou qu'on pillait. Pe seama lor, cumva, bon. Fie et évidemment, par l'aide. Fie mașinăriile. C'est vrai que dans la première famine communiste, celle de 1921-22, ce sont les Américains qui ont sauvé le régime, le tout nouveau régime bolchevique de Lénine en apportant de l'aide. Parce que si jamais cette aide n'était pas arrivée, il est probable qu'il y aurait eu une révolte très forte contre le régime qui était à l'époque tout jeune. Hein? Il venait de s'installer il y a 2-3 ans. Donc, le régime risquait sa vie dans cette affaire-là. Dans d'autres cas de famine qui ont été vraiment instrumentales, parce que la famine de 21-22 par Lénine a été une famine organisée, disons, qui est due à des conditions climatiques réelles, mais qui ont été utilisé ensuite par le régime pour justement liquider un certain nombre de personnes. Grele, mais dans d'autres grandes famines, celle de Crène en 1931, 32, 33, celle de Chine, le grand bond en avant en 1959, 60, 61, où il y a eu des dizaines de millions de morts. Là, ce sont des famines instrumentalisées par le pouvoir. Donc, il n'a jamais été question de faire appel à l'aide occidentale pour sauver des gens, puisque de toute façon l'idée c'était de liquider. En revanche, il y a une autre chose qui a été utilisée dans ces famines, et c'est ça qui rend ces famines absolument uniques dans l'histoire et une leçon incroyable à mener et qui n'est pas faite encore aujourd'hui, puisque ces famines sont oubliées des mémoires, c'est que pendant que les gens étaient en train de mourir, en timp ce oamenii mureau, et là quand je dis mourir, c'était des centaines de milliers de personnes qui mouraient. Mă refer la, sute de mii de oameni. On mettait en place des systèmes de propagande, la punct, des dirigeants de propagande communistes pour dire de que tout allait bien. Comuniști care să spună că totul merge bine. Et c'est là où les complices ont été terribles, occidentaux, ont été terribles. Occidentali. J'en prends deux. Vorbesc de doi. Sont deux Français, je suis désolé. Deux francezi, îmi pare rău, dar trebuie să-i pomenesc. C'est pas parce que je suis français, c'est parce qu'ils ont joué un très grand rôle dans ces deux cas, dans deux cas de famine. Dans la famine ukrainienne de 32-33, les soviétiques ont invité un homme politique français, qui était un ancien premier ministre, qui était maire de la deuxième ville de France, Lyon,
C'est la deuxième île de France. Primarul orașului Lyon, qui était un homme de gauche, un radical, pas socialiste, mais un homme de centre gauche, qui était très proche de l'idéologie, enfin qui aimait bien le communisme et surtout qui aimait être flatté. Qui aimait la flatterie. Și căruia îi plăcea foarte mult să fie flattat. Comuniștilor le place. Ils l'ont invité en Ukraine. Deci, l'au invitat în Ucraina. Ils l'ont pas invité ailleurs. Ils l'ont invité en Ukraine pendant que il y avait des bruits qui couraient sur la famine. Et ils l'ont organisé un voyage. Ils l'ont fait traverser des champs magnifiques avec des paysans souriants, des magasins regorgeant de nourriture. Il est revenu en disant... Quoi? Și el a revenit de acolo mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de famine. Moi, je n'ai rien vu en Ukraine. Ceux qui parlent de famine font de la propagande anticommuniste. Cei care vorbesc de foame te fac propagandă anticommunistă. Il y a eu 6 millions de morts. Au existat 6 milioane de oameni și el de morți și el nu văzuse nimic din toate astea. Mais mon deuxième exemple est à la limite un peu presque pire. Poate mai rău decât. Il concerne la Chine. Se leagă de China. La famine en Chine organisée, voulue, instrumentalisée par Mao, a fait entre, selon les estimations, entre 30 et 50 millions de morts. Vous rendez compte ce que ça représente, 30 et 50 millions de morts. 30-50 de millions de morts. Pendant ce drame, François Mitterrand, homme politique français, qui est devenu après président de la République, mais qui à l'époque n'était qu'un petit député, mais qui avait déjà été ministre, mais à l'époque où il se rend en Chine, il n'était plus ministre, il est simple député. În care călătorea, il se rend en Chine en 1959, ministru. Donc au moment, en plein drame. Deci, în miezul dramei, et Mao l'invite chez lui. Și Mao îl invită la el. Invité par Mao. Donc encore une fois la flatterie. De la Mao. Le petit Mitterrand, excusez-moi, par la taille et par... Il ne représente rien, c'est un petit député français Mao, à l'époque. Invité par le grand Mao, le grand timonier, comme on l'appelle. Vous imaginez la fierté du personnage. Donc Mao lui dit, Monsieur Mitterrand, on parle de famine, vous vous rendez compte, de famine. Nous, dans ce pays, une famine, mais c'est impossible. Ah oui, Monsieur Mao, oui, Monsieur Mao. Et il rentre en France, il n'y a pas de famine. Qui c'est qui parle de famine? Ceux qui parlent de famine sont des anticommunistes. Cine vorbește așa, voilà. Este cu siguranță anticomunist. Deci, iată o complicitate incredibilă. Voilà. Donc non seulement quelquefois on a aidé, mais en plus on a été complice. I-am ajutat, dar am fost și complici. Mi-a plăcea să apară o carte despre urmașii, les héritiers, să-i spunem castei comuniștilor și a ofițerilor din serviciile secrete. Fiindcă ei erau deja undeva spre sfârșitul comunismului, cam în toate țările, au creat o clasă, o categorie socială. Economică și economică. Cum ați scrie o astfel de carte? Care ar fi planurile generale al unei C'est un beau travail à faire, c'est vrai qu'il faudrait le faire, cette espèce de reconversion. Alors, il y a des livres, il y a quand même des livres qui abordent ce sujet. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle La reconversion, justement, qui parle de la reconversion de la nomenclatura sous des partis démocrates socialistes. Vous en êtes, la Roumanie en est un exemple. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi. Prenons, moi par exemple, dans un livre que j'ai écrit et qui a été publié d'ailleurs par Humanitas sur. Le KGB au pouvoir avec Poutine, je montre qu'une grande partie des oligarques, ceux qui sont très riches, qui sont milliardaires aujourd'hui, viennent de la jeune nomenclatura communiste, souvent des jeunesses communistes, et leurs premiers millions, en vérité, ils n'ont jamais apporté de leur poche. Premiers millions, c'est les millions qui ont été pris soit dans le trésor de guerre du KGB, soit dans le trésor de guerre du Parti communiste soviétique. Je l'écris, je le montre, je le démontre. Fie din trezorerie
Partidului Comunist. Donc effectivement, il y a certains pays, c'est pas tous les pays quand même. Hein. Par exemple, c'est pas le cas au pays balte. De exemplu, în țările baltice nu s-a întâmplat acest lucru. Presque pas le cas, je dirais, en Pologne. Polonia. Par contre, c'est le cas en République Tchèque. C'est le cas évidemment aussi en Hongrie. C'est bien sûr le cas. Beaucoup chez vous. Cazul în România. Donc effectivement, il y a une espèce de reconversion qui a été faite à la fois politique et économique. S-a făcut pe plan politic și economic. Donc c'est vrai que c'est une sur... Bon, alors, ces gens-là ne se présentent plus comme des communistes. Acești oameni nu se mai prezintă drept comuniști, bineînțeles. Ce que j'ai compris dans l'histoire du communisme, si je puis dire, la chose la plus importante, c'est pas forcément l'idéologie, même si l'idéologie compte. Nu este neapărat ideologia, deși ea contează, ci puterea. Rien n'est pire que de perdre pouvoir. Nimic nu e mai rău decât să pierzi puterea. Il faut tout faire pour garder pouvoir. Trebuie să faci totul ca să obții puterea. Donc, on peut renier, à la limite, on peut renier son idéologie première. Le principal, c'est qu'on puisse se reconvertir et garder le pouvoir. Ceea ce este important este să păstrezi puterea. Donc, effectivement, il y a une grande partie des communistes qui ont finalement jeté leurs vieux vêtements, și-au aruncat vechile haine, și-au îmbrăcat, pris de nouveaux vêtements. D'ailleurs, il y a un livre formidable qui n'a rien à voir avec ce sujet, mais qui dit bien les choses, qui s'appelle, un livre qui est très connu sur Mao Tse-tung, qui s'appelle « Les habits neufs ». O carte de Mao, du président Mao. Donc ils ont mis des habits neufs ale președintelui Mao pour continuer à garder le pouvoir. Pentru a putea continua să păstreze puterea. Donc c'est vrai que mais c'est un livre qu'il faudrait faire qui alors deci, moi je l'ai fait un peu sur la Russie, il y en a qui l'ont fait un peu sur l'Europe de l'Est, surtout en Pologne etc. Mais c'est vrai que c'est une vraie enquête, alors s'il y a quelqu'un qui veut le faire tant mieux. Moi je j'ai pas le temps de faire. Mais ça serait une véritable enquête à faire sur cette reconversion justement acestei reconversii. Et pour terminer sur ce sujet-là, évidemment, tout ça est un frein évidemment à la démocratisation des pays ex-comuniste. Pentru democratizarea fostelor țări comuniste.